Et on peut remplacer par deux trucs. D'ailleurs, il n'y a pas si maintenant des gens qui donnent des gens. Donc, deux, cinq. C'est quoi pour le faire à la liste? Hein? La liste est à 16h. On a plus le temps d'en acheter. Quand on confronte, il va seulement manquer. Ah, Barbie. Oui. Libéré, libéré. On a voilà, ça s'appelle le branding. Faut filmer le branding. Merci, voilà. Oui. Ici, il y a le branding aussi. Tu m'as raconté ça aussi. Mets le voiture et... Juste le bus. Bien ça va. Là tu es content, tu peux fâcher non? Bon, sinon c'est des choses, on peut trouver des formules hein, avec le produit, un produit là, on y va bloquer avec ça et puis il boit. Et après je crois que ça va... Enfin, on peut régler le problème. Parce que nous on est déjà statique là. Pour faire la vidéo. Vous avez des positions. Je fais ça. Viens prendre le pince là. On va te bronzer là. Papa. Oui. Oui. Oui, oui. Oui. Alors, tu dis quoi, tonton? Bonjour, tonton, ça va? Bonjour tonton, ça va bien travailler. Ok, tu es content qu'aujourd'hui papa va se fiancer? Oui, moi aussi, tout le monde. Alors, tout le monde est content? Oui. Alors, okay. Qu'est-ce que tu dis à maman? Bonne fête, maman. Okay. Bonne fête, papa, vous m'en dites cher. Comme vous voyez, c'est un plaisir de célébrer cet événement en famille. Et donc, on est très très content. Même Janice est content. Et donc, on nous attend de l'autre côté. On fait tout. C'est la famille de maman. Ok. Oui. Qui va devenir notre famille aussi. Maman Caresse. Maman Caresse, oui. Aussi papa Judas. Voilà, et donc on est très contents, tout le monde est content, les neveux sont là, les oncles sont là. Ok, merci beaucoup. C'est fini. Bon, un mot quand même à l'endroit de celle à qui vous allez aller faire des présentations. Selon ce que j'ai entendu, ça fait quand même un bon moment que vous êtes ensemble. Et aujourd'hui, vous décidez à poser cet acte. Alors donc, quand même un mot à son endroit. Et d'abord, poser cet acte, ça veut dire qu'on a
pris beaucoup de maturité. Et donc, le faire, c'est un réel plaisir pour moi et pour elle. Et donc, je pense que c'est l'occasion de remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent toujours depuis le temps que vous avez évoqué. Et voilà, donc nous sommes contents. Il faut bien aussi travailler à l'école, aussi pour débouler. Aussi pour avoir un peu d'argent pour papa et maman. Voilà, donc lui c'est Janice. Okay. Voilà, c'est mon premier fils. Et donc voilà, okay. c'est le petit Dia Monica. Ok. Voilà. Okay. Oh, merci. Aussi, il faut bien travailler à l'école. D'accord, on va bien travailler à l'école. Allez, bye bye. Bye bye. Vous m'avez soutenu. Je suis maman Cécile, la maman de papa Gédas Kamonika, qui va faire les présentations avec caresse. C'est une joie quand deux enfants se marient. Parce qu'il faut bâtir le célibat. C'est bien. Le mariage, ça porte vraiment une bénédiction dans le foyer. Merci. Alors, qu'est-ce que ça fait du bien d'accompagner son frère? Bonjour, je suis Michel Amanda, la petite sœur de M. Damoneka Gidas. Ça fait plaisir aujourd'hui, le 4 mai 2019, d'accompagner son frère. Après toutes ces années d'attente, je ne suis pas contente, mais je suis plus qu'heureuse. Voilà. C'est un beau jour pour nous aujourd'hui et la fête ne fait que commencer. Merci. Oh. On est d'accord. Kimi, c'est toi qui organise tout ça. Maintenant, vous savez que je te calme. Garer du même côté. Parce que ça, ceux qui viennent, ils vont. C'est un blanc bloc là où t'en fais. Comment ça va?
Il fait plus jour, c'est vrai, mais comment je ne pas dire bonjour. Et je crois que hier, nous nous sommes retrouvés ici et nous nous sommes séparés pour venir aujourd'hui. Et je ne cesserai pas de vous dire que ici, nous sommes chez M. Ivala, ici, qui épouse la tante directe à la femme que vous voulez épouser. Et moi-même, je me nomme M. Rizogo Joseph. Je vous ai dit hier que je suis le grand-père de cette jeune dame. Voilà. Nous avions pris un peu de retard, mais nous allons essayer de faire avec. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, nous allons faciliter les choses. Alors, je voudrais ici savoir, c'est la première fois que dans cette concession, je vois beaucoup de monde comme ça, et surtout des gens que je n'ai pas l'habitude de voir ici. Je n'ai pas l'habitude parce que je suis ici constamment. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que pour le moment, il y a beaucoup de problèmes qui se passent. La sécurité nous manque un peu. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il un problème? Lequel? Alors, s'il y a problème, si vous êtes venu pour quelque chose, vous n'avez qu'à vous présenter et nous dire au fond qu'est-ce qui se passe. Pour là, je vais d'abord m'asseoir. Merci, Monsieur Izogo. Avant que je ne vous présente ceux qui m'accompagnent et que je vous donne le mobile de notre présence ici, permettez que je puisse d'abord m'acquitter d'un devoir, si on peut l'appeler ainsi. Nous sommes ici chez M. Ivala, c'est mon frère, certes, mais ceux qui m'accompagnent ne connaissent pas les liens que j'ai avec M. Ivala. Donc, pour respecter les formes selon nos traditions, permettez que nous demandions l'entrée. La natte. Entrez dans. Dans la concession de M. Ivala. Dit, vous allez m'autoriser à vous présenter ceux qui m'accompagnent ce soir. Derrière moi, c'est mon épouse, Madame Zenge Maïla.
je vous préciserai les... Ou bien, je peux déjà. C'est la grande sœur de celui qui est sur la photo là, qui nous crée les problèmes qui nous rassemblent ici. À côté d'elle, c'est ma belle-mère. C'est la mère de celui qui est sur la photo. C'est maman Cécile, veuve Diamoneta. Mon épouse, je ne l'ai pas présentée totalement, c'est madame Nzenge Maïla, née Diamoneta Kumba, Godfrey Gilbert. À côté, c'est la sœur du père de Gildas. C'est la notre papa qui nous garde ici, c'est maman Josée. Tous les autres, au fond là-bas, c'est la veuve Bipeka Lucha, c'est la grande sœur de Gildas. Le collègue ou le. Enfin, le collègue de Gildas qui travaille tous là où il était avant, la sœur. Lui, c'est. Bon, tous les autres, ce sont les frères. Parce que je me mets à présenter tous ceux qui sont là, ça va nous faire perdre. Et. On est en train de brûler certaines étapes. Je suis ici chez Ivala. De la même manière que j'ai toqué à la porte, je devais également, puisque vous m'avez interrogé, vous demander si je pouvais répondre à votre interrogation. C'est-à-dire si je pouvais parler. Il vaut mieux que l'on délague tout ça pour que la suite aille plus vite. Là, c'est pour m'autoriser à parler. Même en étant bantou, nous avons plusieurs langues. En tout cas, quand on vient chez quelqu'un, on doit parler dans une langue qui le comprend. Mais là, je vous parle dans une langue qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la vôtre. Mais comme il faut que nous choisissions une langue qui nous permette de faire passer le message de part et d'autre, là aussi, je vous demanderai de m'autoriser à continuer dans cette langue qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la vôtre. Pour qu'au moins on se comprenne. Je crois, si vous m'autorisez, que je peux m'arrêter là pour le moment. Oui. Je ne veux pas être trop gourmand. Hein, parce que là, les étapes, il y a trois. Le cococo est là. L'autorisation d'entrer, l'autorisation de parler après, en français, c'est surtout ça, c'est ce que je vous avais dit. Mais vous avez donné deux fois, ça ne fait rien. J'avale, ça rentre. Parce que je ne voulais pas qu'on dise, l'homme là aussi il est trop gourmand. Hein. Voilà, ça rentre. Maintenant, l'autorisation de parler est là, en français, comme vous avez demandé, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Maintenant, la cour est ouverte. Dites-nous alors pourquoi vous êtes là. Chez nous, quand tu vas épouser une femme, quand tu fais des enfants, tu as cherché les problèmes, tu as embrassé les problèmes.
je viens chez vous parce que j'ai fait un enfant. Et les enfants, quand ils se promènent dehors, ils jouent au ballon, ils vont à l'école, ils vont à la plage, comme c'est le cas ici. Mais là-bas, ils peuvent rencontrer un autre enfant, l'enfant de quelqu'un. Mon enfant, en se promenant, a rencontré votre femme. A rencontré votre enfant. Et en se rencontrant, au lieu que ça s'arrête là-bas, ils m'ont amené ça sous les pieds. Moi, j'ai dit, mais les histoires qui se passent dehors, les enfants, vous devez rester avec ça là-bas. Maintenant, quand vous m'amenez sous les pieds, ça, c'est maintenant un problème que vous m'amenez. Et pour que le problème ne reste pas qu'à mon niveau, je suis venu vous voir pour vous dire que mon enfant est venu vous provoquer. Ça, je ne peux plus me cacher. Donc, je suis obligé de venir vous le dire. Moi aussi, avant, je ne savais pas, mais maintenant, je sais. Peut-être que je passais par la fenêtre, il se rencontrait. Ernest. Mais maintenant, aujourd'hui, on veut passer par la porte centrale. Il a eu peur, il a dit qu'il ne peut pas venir seul. Et il fallait qu'on l'accompagne. C'est pour cela que nous sommes là. Madame, tu es comme moi les lunettes, moi je la regarde. Voilà. Tu vas prendre beaucoup de temps. On va dire, on vous a ouvert la route, maintenant c'est vous-même qui ne voulez pas vous dire avant. Là, ce sont les présentations. Un gilet, un rhum. Un ricard. Une dame Jeanne, c'est comme ça qu'on l'appelait quand j'étais petit. Jusqu'à présent. Un carton de MK. Il manque le jus. Donc, nous passons. Il passe maintenant par la porte centrale. Il passe même par la fenêtre. Par la fenêtre là-bas, il y a l'insécurité. Quand quelqu'un passe par la fenêtre, il peut penser que c'est des voleurs. Aujourd'hui, avec l'insécurité, moi je ne voudrais pas qu'on m'appelle pour me dire, bon, il y a quelqu'un ici qui se dit votre fils, mais qui est venu nous provoquer. Donc voilà, mon ami. Alors, présentation. C'est ça la présentation? Oui. Okay. Donc quand même la liste, hein, je vérifie. Hein. Parce que là, je ne voudrais pas qu'après. Mais où est l'autre liste là, où est l'autre liste? Ça, c'est la mienne. Hein. Il y avait l'autre livre. Ah oui, ça a été refait, hein? Ça a été repris au premier. Ok, un rond. Non, non, c'est bon. Voilà. Un Ricard. Mais le Ricard, il est là. Le Martinet, où? Il est là. Le noir. Ah, dans le genre, devant ça, le carton, il est là. Palette de jus, bon, petit, bon là, c'est bon. Là, il faut aller doucement. Les jeunes, là, on avance.
dans le sol à voir ce que vous allez déposer tout à l'heure. Maintenant, on fait quoi? On continue ou bien on s'arrête? Quand on mange, la première bouchée qu'on met dans la bouche, il faut mâcher, mâcher, et puis quand vous avalez, au moins ça arrive à bon port. Maintenant, on continue. On n'est pas venu pour s'arrêter en si bon chemin. Nous nous sommes présentés. Vous nous avez donné l'autorisation de passer par la porte centrale. Je crois que mon fils, il est déjà rassuré qu'il ne va plus courir le risque de passer par la fenêtre. Ça là, là où vous prenez ça là-bas, c'est chez nous. Vous ramenez, vous déposez encore chez nous. C'est là-bas, c'est pas ici. Là-bas. J'ai voulu casser. Vous déposez ça directement là. Un juge, il y a un JB, le Ricard est où? Bon, je crois que Kanjin, la place du Ricard. Deux cartons de MP. Deux cartons. Non, une palette royale. Une Beaufort. Une 33. Et une Regard. Une palette de Fanta. Un Gino, un Coca, un Sprite et l'Orangina. Une Dame Jeanne. Comme aujourd'hui, heureusement que j'ai demandé la permission dès le départ de faire comme les Blancs. Ça là, c'est les feuilles des Blancs. Pour dire que nous exprimons là clairement nos intentions. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. C'est la partie fiançaille.
Nous aimons D'accord. ta fille. Nous venons à toi pour le confirmer. Moi aussi, je peux, je vais devant l'autorité. Mais là, parce que là, c'est ma liste qu'on emprunte. Non, non, laissons caresse. Chez nous, on dit. Là, moi, on est là. Si je pars, on m'amène à Nirobé. On ne peut plus dire, bon, on a amené à Minoubé, la place qu'on a prévue est petite. Ramenons d'abord à la maison quand on va arranger la place, maintenant on va ramener. Non. Donc, même si dans la liste, on a oublié, mais c'était prévu. Donc, on ne peut plus retourner avec. Ah, mon ami, moi, je suis un peu malin. Malin, là. Là où il y a tout le monde, la malle. Là, je voyais venir. Il est où celui-là? Il est jeune. Deux pannes. Trois. Donc, il y a aussi les foulards pour attacher la tête. Un. Deux. Quatre. Cinq. Alors, je voudrais bien préciser que vraiment, j'ai accepté que le mari vraiment aime bien sa femme, parce que l'épargne, vraiment, je suis content, c'est vraiment aimant. Vous avez acheté de jolies pailles, ça vient tout droit du Congo. Ah, ben, on est congolais, c'est normal que ça vienne du Congo. Ouais, ben. Ça montre vraiment que l'amour est là. Mon ami, je peux avoir ma liste, mais pas tricher. Oui. Je continue à te remettre la liste. Bon, enlever là, hein, ça, la personne qui veut épouser notre petite fille, notre fille, notre soeur. On ne le connaît pas. Merci mon ami. Mais aujourd'hui, c'est maintenant ça là, ce qu'on montre là, la télé, tout ça là. Il y a des gens qu'on ne voit qu'à la télé. Hein. Ah oui, c'est vrai. Comme ou sur les photos, mon fils est là sur la photo. Mais moi je vois plus à la télé. Merci. Merci. On avance sûrement.
doucement mais sûrement. Il est là, mon fils. Parce que avant, même pour venir, il fallait que je pousse. Parce qu'il ne savait pas comment on devait l'accueillir chez toi. Mais comme on dit chez nous, dans l'obscurité, si tu as ton père devant, la peur est finie. Moi j'ai dit, ne t'inquiète pas, je vais me mettre devant. On va les rencontrer. Donc c'est pour cela qu'il est venu, pour cette assis au fond là-bas. J'ai dit, laisse-moi même devant. Ce que je vais rencontrer au moins, je vais encaisser, tu seras préservé. Mais il est là. Mon fils. Comme vous voyez, je crois que les deux ont beaucoup de goût, hein. Comme vous voyez, mon fils, à ce niveau, je n'ai pas à biaiser. C'est un beau garçon. Votre fille ne l'aurait pas accepté. S'appelle Diamoneka Gildas. Gildas parfait. Et effectivement, il est parfait. Excusez-moi, j'ai pris un peu beaucoup de retard parce que j'ai eu quelqu'un, on peut se tromper aussi. Beaucoup veulent savoir, il est d'où, il est gabonais d'où, de Tshibanga, de Mouya ou de Ndende, ou bien de Port-Gentil. Merci. Là, effectivement, même moi, je suis allé vite dans les présentations. J'ai pas suffisamment insisté sur cet aspect. Il n'est pas gabonais. Il est du Congo-Brazzaville. Mais comme vous savez, avant que nous autres là nous soyons nés, on était tous un même pays dans ce qu'on appelait l'AF ou l'AF. Maintenant, les Blancs, c'est toujours eux. Ils ont dit non, non, non. On met maintenant les portes. Toi, pour aller de l'autre côté, même si ce sont tes parents, eux, ils s'appellent maintenant Congo, vous vous appelez maintenant Gabon, et on vous sépare. Mais aujourd'hui, toujours les mêmes Blancs. Ils nous ont dit, non, on ne va plus continuer comme on vous a dit là. Maintenant, on s'approche un peu de comme on était avant. Et ils ont créé la SEMA. Aujourd'hui, nous qui avons un pied au Congo, un pied au Gabon, l'autre qui ont un pied au Cameroun, un pied au Gabon, un pied en Guinée équatoriale, un pied au Cameroun, vous pouvez maintenant circuler entre vous. C'est dans ce cadre-là que il est Congolais, il est au Gabon, il vit au Gabon. Moi, je suis Gabonais, mais j'ai épousé sa sœur qui est au Congo. Qui est congolaise. Et aujourd'hui, on a fondé une famille. Mais cette famille-là, je ne sais pas demain comment on va l'appeler. Est-ce qu'elle est gabonaise? Est-ce qu'elle est congolaise? Moi, je n'en sais trop rien. Mais, comme dit le ministre, ce sera une famille Gabon-Congo. Voilà. Il est Gabon-Congo, comme il l'a dit, mon fils. Bon, vous avez compris. Oh. Voilà. Bien. Allez, de l'autre côté, envoyer. Elle s'appelle comment? Bon, il faut donner le nom, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dames là. Voilà.
Hein? Elle s'appelle comment? Tu donnes le nom. Hein? Donc voilà, la femme que je suis venu chercher ici s'appelle Tate. Parce qu'on peut se tromper. Hein? Mon ami, les Blancs ont facilité les choses. Le visage est là. Afan, vous avez un aquarium. Là-bas, ils peuvent avoir tous le même visage. Mais ce qui les distingue, ce sont les noms. Ah, c'est ça? Celle que je viens chercher, elle s'appelle, ou celle pour laquelle je suis là, elle s'appelle James Oduka Kares Marianne. Il y a le visage, mais il y a le nom aussi qu'on met sur le visage. Comme ça, parmi toutes celles que tu as là-bas, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Il y a beaucoup, là. Tu vas appeler, tu dis, ah, ma fille, viens. Moi aussi, comme tu as dit, je ne voudrais pas me tromper. Hein. Moi aussi. Il faut que, quand on vient chercher les problèmes comme ça, qu'on meure une bonne fois. Tu as vu pour moi, non? J'ai vu, c'est pour cela que je l'ai choisi. Ah. Il n'y a pas de trace, pas de gale, il n'y a rien, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien, tout. Produit fini. Voilà. Merci, mon ami. Merci. Je crois que... Bon, je crois que cette étape-là est déjà terminée. Ouais. Maintenant, on fait quoi? On avance ou bien on arrête pas là? Les gens de la forêt. Ah. Quand tu as glissé, surtout si c'est sur une pente, forcément tu es obligé de tomber. Ouais. J'ai commencé à glisser. Je ne peux plus... Je suis obligé de tomber. Au Gabon, là, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Dehors, là, j'apprends que les hommes restent maintenant de leur côté, les femmes du leur. Mais moi, mon fils, il a voulu faire comme moi-même. Il va prendre une femme pour me fonder la famille. Tu as bien dit qu'elle brille. Je l'ai même appelée mon soleil. Mais malgré ce que je disais que les femmes restent de leur côté, les hommes du leur, il y a encore des hommes qui peuvent me dribbler. Donc moi,
je viens déjà attacher pour moi. Pour que ceux qui voudront tourner autour sachent que ah, celle-là, on dirait que elle appartient déjà à quelqu'un. Donc, comme on dit chez nous, moi j'ai dit, je suis un homme de la forêt. Avant de faire la plantation, tu vas d'abord faire ce qu'on appelle les léons. Pour limiter. Si quelqu'un d'autre vient et dit, ah, là, il y a les léons là, c'est déjà pour quelqu'un. Donc, moi, je viens faire le léon pour moi. Voilà, mon ami. Ça, c'est le léon. D'accord. Les enfants là-haut, venez prendre... Je vous donne les bouteilles, sauf les billets. Ah ouais. Maintenant j'ai vu. Vous avez attaché. Mais est-ce que c'est tout? Ah, parce que la corde là peut se couper après. Je sais, mon ami, je sais. Elle peut se couper s'il y a le vent. Elle peut se couper si quelqu'un tire. Ok. Mais comme là, ma corde, je l'ai bien attachée. Maintenant, je viens solliciter. Lui, c'est mon frère. Tout au milieu, là. Maintenant, je soulève ce lien. Mon frère, c'est notre fils. Moi, là-bas, j'ouvre les yeux. Pour que quelqu'un d'autre ne vienne plus l'embêter. Parce que moi, j'ai choisi mon soleil. Toi aussi, ici, tu ouvres les yeux. La porte là, je veux qu'elle soit maintenant fermée. Même si c'est pour les autres. Si c'est pour les autres, d'accord. Mais si c'est pour la mienne là, tu la gardes au fond. La porte, on ferme. Ah, on vient voir Caresse. Caresse n'est pas là. Et pourtant, elle est là. Donc, fermez la porte. Je crois que c'est comme ça. On dit dans nos traditions. Ne viennent ici au nom de Caresse. Voilà. C'est toi le responsable. Ah oui. Tu as compris, non? Ah. Ok, là maintenant, c'est fermé. Voilà, là, c'est fini. Les bouteilles en avant, je les prends. Ah. Enfin, tsunami. Ah, il y a un tsunami qui est passé ici. Non. Ça là, je voudrais dire merci. Tu m'as montré la voie. Tu m'as bien accueilli. Mais je vais te demander une dernière chose. Les enfants, mon enfant est là. Mon autre enfant est là. Avant, il le faisait en cachette. Désormais, vous connaissez mon enfant. Moi aussi, je connais votre enfant. Je vais demander donc l'autorisation que désormais, ils peuvent se balader, soit chez vous, soit chez moi. Donc, si vous ne voyez pas Caresse, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ben, par souci de sécurité, vous pouvez m'appeler. Mais est-ce qu'elle est chez toi? Moi aussi, si je ne vois pas Gildas, par souci de sécurité, je vais appeler, je dis, mais est-ce qu'il est chaud? Mais je sais que mon fils, il n'a pas l'habitude d'aller chez les gens n'importe comment. Donc, pour tout ça là, je sais que ce n'est qu'une première étape. Mais rassurez-vous, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Je vais arriver jusqu'au bout. Comme je vous ai dit, quand on glisse, on est obligé de tomber. Il faut d'abord que je tombe. Parce que là, je reste un peu en l'air. Donc, pour tout ça là, vraiment, mon ami, merci beaucoup. Je crois que le reste de la route, on va emprunter. On va bien l'emprunter. Merci.
si je comprends bien, nous allons terminer. C'est pour qu'on vous donne l'autorisation à ce que notre fille continue à fréquenter son ami, que c'est j'appelle ça. Encore ami. C'est ça même. C'est ça même. Mais je crois qu'on a dépassé une étape déjà. Hein, mon... Oui, 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 mais qui ne vous donnait pas l'autorisation déjà de. Ah. Ça veut dire que là, elle restait ici. L'ami venait rester jusqu'à 24 heures. Il passait par la fenêtre. Non, pas par la fenêtre, par là, par la porte. Bavarder, manger ensemble, faire tout. Et après nous dire, bon, papa, maman, au revoir, oh, je rentre à la maison, si vous voulez voir. Mais maintenant, puisque vous avez demandé l'autorisation, elle part. Avec merci, vous. Merci. Hein, maman, tu as compris. Ouais. Chérie, viens ou pas à la maison, tu dis alors. Ça, c'est l'autorisation. C'est comme ça, ça se passe. Hein? Yomba, il y a ok. La bouteille, c'est qui? Yomba. La bouteille, oui, la bouteille, la bouteille. Et que les choses se sont bien passées, je n'ai plus rien à vous dire. Au contraire, je vous remercie. Bien que les conseils que nous pouvions donner aux enfants. Mais je souhaiterais que ce problème-là continue jusqu'au bout. Vous avez déjà franchi cette étape-là. L'étape qui reste là, je crois qu'elle n'est pas aussi coûteuse. Je crois que s'il y a amour, je crois que ça va se passer. Mon ami, il reste plus grand chose. Oui. On a bien commencé. On va bien continuer. Ouais. Moi j'ai dit, je suis un homme de la forêt. Ouais. Quand je glisse, il faut forcément que je tombe. Ouais. Mais on a bien commencé. Ouais. Pour la suite, avant que je ne tombe, continuez à me tenir par la main. Parce que là, on va devant là, c'est comme quelqu'un qui a les yeux bandés, hein, il ne voit pas là où il part. Ouais, ça va. Donc, il faut m'aider pour la suite. Il faut m'aider pour la suite. Il n'y a pas de problème. Comme tu as fait pour cette étape-là. Je crois qu'on se comprend, mon ami. Très bien. Bon, la symbolique, c'est par ça que vous allez m'autoriser à terminer, l'attacher la corde. Là. Ça, c'est ce qu'on faisait nous-mêmes avant. Mais comment on a appris maintenant à faire les choses comme les Blancs? Les Blancs, ben, il y a ça là. Quand on voit dehors là, on va dire, ça là, on dirait que c'est occupé. Hein. Parce que la corde là, comme tu as dit, ça peut tomber. Hein. En faisant les travaux ménagers, bon, le pagne est fatigué, ça tombe. Bon, elle va sortir, peut-être l'ami est venu l'appeler. Bon, elle n'a plus le temps d'attacher. Quand on va la voir dehors, ah, la jolie femme là, viens, viens d'abord ici. Donc, faisons, on va faire les choses maintenant comme les Blancs, pour bien attacher. Chez nous, les Nzébi ou les gens du Sud, le beau-père ne touche pas la belle-fille. Maintenant, il m'amène ça. C'est pour que je touche la belle-fille. Là, on est encore chez ses parents. Quand on va encore donner l'amende, toi, tu vas venir payer. Donner ça à eux-mêmes. Mon petit, fais. La signe de reconnaissance et d'amour. Je tiens à te mettre cette bague pour tout ce que j'ai vécu avec toi jusqu'à maintenant. Tout ce que vous allez continuer à vivre. Amen. Mon petit. Et tout ce que vous allez continuer à vivre. Et pour tout ce que nous allons pouvoir générer tout au long de notre vie. Et je tiens à te faire cette promesse d'amour. Amen. Amen. Non, 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 faut pas s'en aller. On a
Deux pavons. Ouais. Sur ta main, on va s'y parler. Vas-y. Ils veulent bien que nous ayons au moins une date, que vous nous donnez au moins une date, pour qu'on puisse bien. Mon ami, moi j'ai dit, j'ai choisi. Tu as entendu mon fils parler. Il a dit ce qu'ils ont déjà vécu jusqu'à maintenant. J'ai dit continue, ne t'arrête pas là. Ça veut dire qu'on va continuer. Mon fils, on aurait pu aller plus loin. Mais comme les histoires des Blancs, aujourd'hui, moi quand je vais me fatiguer, il faut qu'il ait un autre père. L'autre père, c'est le travail. Le peu de temps qui va s'écouler là, c'est parce qu'il ne sera pas là. Il va pour le travail. Chez les Blancs, là-bas, on a dit juste 7 mois. Mais ça peut dépasser les 7 mois. Je ne voudrais pas vous donner une date précise. S'il était ici au Gabon, oui, je donne une date précise. Mais comme il doit voyager, quand on voyage, ce qu'on rencontre là-bas, on ne peut pas savoir. Mais je ne veux pas aussi attendre 10 ans. Maman, j'ai compris. Ah, 10 ans là, c'est trop pour moi. On ne va plus attendre 10 ans. On aurait pu... Ça là, ce serait même terminé depuis. On peut se préparer aussi. Mais... J'ai dit à mon ami de continuer à me tenir par le bras pour que je ne tombe pas. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Vous faites ça. On se retrouve. Et puis, mon fils, j'ai dit, il voyage pour 7 mois. Quand il va arriver, ou bien même avant qu'il n'arrive, il va dire, papa, après tout là-bas, dès que j'arrive, on termine. Donc, on va apprêter les choses, et quand il arrive, on termine. Moi, je suis prêt. Pour nous donner la date pour que nous aussi, on se prépare. 7 mois. Voilà. Dans 7 mois. Dans 7 mois, ok. Voilà. Dans 7 mois. Ok, 7 mois. Tu as compris, non? Oui, j'ai compris. Voilà. On a des oreilles pour comprendre. 7 mois. Vous préparez. Moi, je suis prêt. Mais nous aussi. Si mon fils était là, mais oui. On terminait tout. Mais comme la loi est compliquée, on va dire non. Non, on ne veut plus la longueur. Cette étape-là, il vous faut encore attendre une semaine, deux semaines. S'il n'y avait pas la loi, moi je terminais tout. Bon, d'accord. On vous autorise 7 mois, monsieur le ministre. Ma belle soeur. C'est les hommes là, c'est longueur. On va pas encore conjuguer le verbe attendre. Voilà. C'est tout. Hein, les amoureux. Parce que je sais bien. Tu connais tellement sur moi, tu peux bien vivre tes rêves. Je suis sur la vie, tu racontes mes histoires. Je
Allez, c'est derrière là-bas. Voilà.
Le stade
Ernest, donne-moi un petit bouchon ici. Là. Je vais l'ouvrir ici. Il n'est même pas ouvert. Hein. Je l'attends comme il a dit dans 5 mois. J'attends mon beau-fils qui s'abrace ouvert. Et bien sûr, nous aussi, nous sommes prêts pour l'attendre. Donc, on termine le mariage de ma fille, que ça se termine dans la paix, dans les mains du Seigneur. Je vous remercie. Faites comme nous. J'espère qu'on ne va pas passer à WhatsApp. Tu décores ça, tu décores la pâte qui est plus bien. On était bien avant, allez faire quoi ça quand on mange. Moi c'est au mari, hein. Ça va passer à bon goût, tu vois. Inch'Allah. Mais là, ça fait mieux que notre vie. Ici, tu as des problèmes avec ta femme. Et moi, je ne veux pas, laisse-moi. Amène-la à Malina. Ah bon? Je vois ça, descends jusqu'à... Parce que c'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça, d'ailleurs, pareil. J'espère que tu as ça, va te toucher. Il y a pas. La femme Malina, elle a dit, on ne me touche pas. Il n'y a pas de fourrou. Il y a des fourrous maintenant. Avant, il n'y en avait pas. Nous, il n'y a pas de mon avis, ni moustique, ni fourrou. Il n'y a pas de moustique. Mais vous savez qu'il y en a pas. Je suis témoin. Mais bon. Je suis allée. Ouais. Ah, toi tu es déjà parti. Oh, toi tu es parti. Je vais t'amener jusqu'à là-bas. Non, 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 non. Dares,
D'accord. Non, c'est pas dans ce cas-là. Pas caresse, toi tu as soulevé. Non, j'ai fait la route. Elle est foutue. J'ai fait la route, mais sans eux. Ah, voilà. Parce que j'y ai été, mais sans eux. Mais vu que les gens de là-bas, Dieu, c'est sans eux comment? Mais c'est le maman. C'est le gargant. Ça va aller. C'est le gargant. Quand faut aller, faut pas seulement aller chercher l'américaine là-bas. Bon, de toutes les façons, vous êtes libre. C'est bien. Et vous partez quand? Le samedi. La semaine prochaine. J'ai d'abord compris. Ensuite, tu as testé avec la même manière. Peut-être que je vais te donner demain. Tu vas voir comment tu envoies ça à Atlanta. La même manière que plus. Mais je vais d'abord manger 6 jours. Oui, c'est toujours ça. À chaque voyage, ça va pas dire. Voilà, ne touchez pas à mon frère Angèle. Laisse ça, parce que les gens là, ils sont. Bon, on a les mêmes affaires. Mais il y a eu des dégâts ici. On ne chasse pas les gens, s'ils veulent rester en plus. Bon. Bon, quand même, il y a une heure aussi. Voilà. Du fiancé là. On va régler ça. Maman. Famille, hein? Non, c'est lui. Non, c'est toi. Maman, je suis là. Ah, maman, je veux insister. Ah, c'est clair. Non, je ne fais pas les choses à voir. Ah, moi, je suis Steve, Viviane, est-ce qu'on a eu?